Salut à tous! Dans ma première vidéo, il y a 2 mois, je vous montrais comment faire un visage simple. Aujourd'hui, on va augmenter un petit peu la difficulté en ajoutant quelques petites étapes et on va faire une fille cette fois-ci. Donc c'est parti, à vos crayons! Donc alors, je vous embête toujours encore avec mon rond. Alors contrairement à la première fois, cette fois-ci, on va faire une mâchoire, hein, un menton. C'est-à-dire qu'on va partir d'une de notre rond et venir faire alors, sur les côtés, hein, les deux traits et rejoindre au milieu notre menton. Hop. Alors on va faire un visage de face. Du coup, ce que je vous conseille, moi, que ce soit pour ce dessin-là ou pour tous les autres de face, c'est placer votre cou légèrement décalé sur le côté pour donner un petit peu de dynamisme. Parce que c'est vrai que la symétrie, en fait, dans les dessins, c'est un peu ennuyeux. Donc du coup, vraiment là, le fait de faire ça donne un petit peu de dynamisme. C'est beaucoup mieux. Le trait vertical au milieu, notre trait horizontal au milieu. Alors ne vous trompez pas, hein. C'est pas au milieu du rond, c'est au milieu du visage total en fait, entre le rond plus la mâchoire. Ça, faut pas, je vous fais des petits tirets pour que vous compreniez bien. Donc notre trait horizontal, pardon, au milieu de notre visage. Voilà. Alors comme le premier dessin, hein, j'avais mis les pupilles sur ce trait-là. Et bien pour les mangas, c'est pareil. Sauf que la différence, évidemment, c'est qu'on va venir y ajouter l'iris, enfin ce qu'il y a autour de la pupille, et évidemment les yeux. Donc là, comme ça, un personnage féminin, on vient y faire bien sûr les cils. Logique. Donc on noircit un petit peu plus le contour pour donner l'impression de longs cils. Et après, vous pouvez évidemment en rajouter quelques-uns, 1, 2, 3. Alors, ce qu'on va faire, c'est noircir la pupille. Hein, voilà. Alors, des yeux vraiment bien noirs. Enfin, c'est plus joli. Et alors, ça, vous l'avez tous déjà vu. Hein, c'est la fameuse, le fameux reflet dans les yeux. Hein, c'est la petite pointe de lumière qu'il y a en haut, qui vient refléter la lumière et qui donne au visage, en fait, un petit peu une petite vie, en fait. Ça donne vraiment un petit éclair et c'est beaucoup plus joli. Donc moi je grise, comme je suis au bois, je vis, hop, voilà. Donc nos yeux on les a, partie très importante à faire. Hein. Comme c'est très imposant dans un visage manga, vaut mieux ne pas les rater. Les sourcils, donc on les fait bien haut. Le nez, encore plus simple. Hein. On se sert du trait vertical et on vient s'arrêter au croisement voilà, du rond et du trait vertical. Donc c'est très simple comme repère, hein. Vous le faites ici. Plus comme c'est un nez manga, bon bah c'est vraiment deux traits. Hein. La bouche, donc on va la faire sourire, c'est toujours plus sympathique. Les dents, la langue et l'ombre. Et vous pouvez y ajouter l'ombre de la lèvre inférieure. Voilà, ça donne un petit peu un aperçu, voilà, de la bouche. Très pour les joues. Alors prochaine étape, les oreilles. Donc les oreilles, vous vous rappelez, on se sert du trait vertical pour comme repère pour les commencer. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et alors, si vous avez vu la vidéo sur les cheveux, ça n'a plus de secret pour vous. On le monte le long des tempes. Sinon, je vous encourage à aller la voir, évidemment. Et on fait le trait sur le haut du crâne, hein, sur le front. Et là, on vient faire quelques mèches. Alors, n'importe où, hein, vous voulez. Et on va donner une petite courbe jusqu'au niveau des oreilles. Donc, quelques petits traits. Hein. Alors, je vais gommer ça. Hop. Et après, je vous laisse faire la coiffure que vous voulez. Donc moi, je pars d'ici et je vais lui faire des cheveux longs. Mon petit conseil, c'est de donner des petites ondulations et pour donner un petit peu de dynamisme, voilà, des cheveux qui vont bien être souples, qui vont passer devant les épaules, qui vont passer derrière. Ça donne vraiment un petit côté beaucoup plus naturel et c'est beaucoup plus sympa. Donc hop, pour partir là. Faire des petits épis. Donc voilà pour notre croquis. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'ancrer. Alors comme je vous disais tout à l'heure, hein, dans le manga, ce qui est dans notre visage en tout cas, ce qui est marque, c'est vraiment les yeux. Donc il faut bien les ancrer. Sachant qu'en fait l'ancrage, hein, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez, c'est très important. C'est que c'est pas décalquer votre croquis en fait. C'est vraiment réinventer les formes qui sont en dessous, vous servir de votre construction. Parce que le croquis, c'est simplement mettre les bases de construction.
et toutes, enfin comment dire, les traits importants vont se faire au moment de l'ancrage en fait. C'est vraiment à ce moment-là que vous devez bien travailler votre dessin et être beaucoup plus précis. Par exemple, là, les joues, je les ai fait assez, et des traits assez droits. Et bien, ce que je fais, c'est que je vais venir l'adoucir en faisant des jolies courbes qui donneront un aspect beaucoup plus féminin au personnage. Donc, en général, c'est plutôt pour les personnages masculins qu'on vient faire des traits beaucoup plus secs, beaucoup plus droits. Hop, les sourcils. Voilà, nos mèches. Donc voilà pour l'ancrage. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.